députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous, les collègues du grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote lisusu bandeko nanga, bino bandeko oyangai, masolona député, tokomi lelo jeudi 18 novembre 2021, Sama Lukonde revient pour répondre aux préoccupations des honorables députés. Préoccupations ana ezouta na population. Mutu na mutu, chaque député alobaki, nous nous sommes complétés pour na bakoka ko améliorer surtout les conditions ou les sociales de ce peuple. Masolona député bandeko nangai eza naufrage au Salemi vers Kwamout. Plus de 11 corps repêchés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans cette émission. Masolona député bandeko nanga tozo zongela moi mouke procès au yaba 22 chinois na congolais moko Congolais mi balé plutôt au bazali ko samba flagrance pona likambo nga na ebsa kibine masolo to kobeta yango wana avant na bandali solo wana na kota kana kote onga na bengaka ya évangile ya kota li sabino ke to koti ko matisa mapeka to koti ko loba eza malamu mais bato ba ko juger chacun à travers bizale linaye. Olobi bazui maloba na yo wana batie yango boy lokola miroir siko bazui yo batie yo en face ya ozoloba soki ozoloba ezali ko refléter ozali ou bien zakaka escroquerie tellement que aujourd'hui tout le monde peut parler et azali ko bata ma place azali ko bata na ebsa kibino que na notre ce jour dans les Kasai pas seulement kenzele za malamu te Nenge na tali saki bino nzela mabe. Talande ko wana tokutiye azo uta a plus de 1000 kilometres. Alobi na biso ki azo uta moba. Moba wana na velo wana charge. Muto akosala combien de temps? Na tuni osali combien de temps? Alobi deuxième mois yango. Marchandise. Oya kenaji koluka. A une distance ya plus de 1000 kilometres yango wana na velo. Siko akoyi na velo wana ndenge nini akola muka izate. Il a fallu tome kamo effort tango na moni na lobi na bandeko. Bo telemisa mutuka. Parce que on ne supporte pas des fois ko tika batu, je ne sais pas. Ko tika batu na ba condition à difficulté. On est descendu to simbisiye, to la musiye akamati nzelaki. Na mekinga moko simbite ba yeko renforcer. Soki otali na ba camion ndenge tokutaki ba camion msusu kangami boye oye kangami bo bino moko bozoluka nene nini ya kodusola c'est ça l'état ya banzela na intérieur ya mboka banzela wana ndeko kiko faciliter biloko se déplacer et koma na ba place ya consommation et encourager pe ba o bazo kata bilanga pamba te soki mutu akati bilanga na suka azwa quelque chose ndeko moko alobi nanga wana ke nzela wana Olingola kisake Félix Ndemuto na lobita la fanatisme na bino boki nelangwe pa mususu bino bato vous prétendez koluka kolakisa moi je ne sais pas et puis bato ango ana bazoloba même tango abitumba tozaki koyoka bangote baye kobima les flatteurs qui cherchent l'emploi les flatteurs bazoluka ke chef de l'état sepela na bango je vais vous parler de cette vidéo qui est en train de circuler. Chef de l'État qui est en mariage, je crois c'était un mariage à membre de la famille. Tant que comme il a un mariage, il a payé sa bande de konaye. Il y a famille, il a payé sa bande de konaye. Mon konde a filmé. Je dois vous mettre cette vidéo, en tout cas. Mani, je suis allé décédé. On était à 4. On était à 4. On était à 4. Je suis allé décédé. Ma mani, elle n'est pas venue là à Bruxelles. On est à 3, à 2 ici. Toi, tu as arrêté d'enterrer les gens.
Image one. Ezali mariage familial. Wana chef de l'État a kena ba membre. Azo solo na ba membre de sa famille. Moko azui abani ko filmer ye. Azo s'adresser na ndeko na président azo tuna yo a tuna kayo au. Mais entre-temps bozu bo tchango na réseaux sociaux. Nini bozo luka parce que c'était purement familial. Yabola ki sabino ke binonde bozana chef de l'État bozaba famille. Non, tozana posa na ngota. Lelo ba image wana. Ba komisi ko attaquer ba to bazo kufa na este. Bino bozo sepela kuna ici de suite. Et na kati wana, on parle même au chef de l'État makambo couvre fait qui finalement peut aider les chefs de l'État. Biso tozo tala pouvoir o. Loko l'ambisi aquarium. Tozo tala. Mais sachez-le que Bissoto Bundela est un groupe d'individus, membres de la famille que vous pouvez être. Toyebi, oui, Toyebi, na famille, il y a chef de l'État. Il y a quand même le dame, je peux parler de Daniela. Il y avait le dame qui se battait, qu'on voyait. Nous avons vu quand même. Ce n'est pas que Bino Nyon soit comme une dengue. Même la fête, beaucoup filmé, Ezama Kambuna Bino, beaucoup filmé, beaucoup tient dans les réseaux sociaux, et Wanande Bolingo, vous avez un chef de l'État. Donc, vous avez une erreur, vous avez une erreur justifiée. Non, ils ont dit que vous avez une erreur. 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 Vous avez une ce qui est au Tali, au Tali, ça n'y est pas. Bientôt, là, va commencer les travaux. Il y a construction, il y a aéroport, il y a Mbujimayi. Mais le DG, Chungwe Tali, comment va-t-il spolier
Parce qu'ils ont la bêta qui sifflait. Qu'on spolie, bah, domaine, il y a concession à RVA. Je vous propose de suivre. Quand l'avion sera à proximité de, dans le pays et il viendra tout droit. Je vais passer au dessus. C'est triste, mais il est étonné, mais il connaît l'Afrique. Je suis là. Wa tozali na lupangu na kati ya lupangu ya RVA tozali même na ba carte tokoki ko lakisa bino ke oyo nyoso to ezali lupangu ya RVA ezali clôturé soki yo clôturé lupangu na yo mutu mususu aye a s'installer est-ce que asali yango a respecté mibeko non. Awa tozali awa tozali vraiment na vision ya mokonzi ya mboka ezali modernisation ya ba aéroport na biso équipement boza komona bazali ko installer awa yango nde muteza ko permettre navigation ya espace na biso navigation aérienne tout autour ya équipement oyo il ne faut pas ba obstacle ezala on ne peut pas avoir donc des obstacles. Surtout dans un rayon, il y a 800 mètres. Bozomo na bino moko banda ko yali wana pembeni, ça fait même pas 100 mètres. Donc, eko perturber fonctionnement, il y a équipement au balingi ko installé. Donc, eloko naza ko senga, il faut que batu oyo bali pembeni ya équipement oyo, en tout cas, ils doivent déguerpir. Naza ko senga soutien ya ba kondi ya mboka. Parce que ezali espace aérien nabiso sécurité ya espace nabiso ezali menacé. OK monsieur DG à la place ezali awa ezambala na mbalumbala babuka banda place monia. Donc toi ba qu'est-ce qui se passe réellement? Ezaka terre RVA ezaka ba chef coutumier deux à l'état nazo ko comprendre kate mais parce que ba comprendre bazo na biso parce que ezina document moko zo sur na réseaux sociaux que espace o ezaka mutu banda mai. Ok, si vous avez un cimetière, vous avez un individu. Bino aéroport, vous avez un maï. Vous avez un réseau social. Tozali na ba carte géographique, oyekoki kolakisake, espace oyo, ezali espace ya RVA. Les cartes sont là. Ce sont donc des cartes qui datent, donc espace oyo, ezali espace ya RVA. La preuve, tozali na clôture pour nous protéger l'espace. Ok? Un aéroport. Nazako yipsa bino mbala na mbala. Un aéroport ezali lokola neti tokoki ko comparer angote lokola neti wenze. Non. OK? Aéroport ezana ba spécificité na yango. Ezana ba spécificité na yango. Eloko kaka nazako loba ezali oyonyo surtout ezali lupangu ya RVA. OK, bandeko batongo za ntwa ba pepe komole. Message ni fort pour ça bandeko nyoso oba tongi. Batongi ango ba respecter mibeko ya mboka te
Okay? Normalement, on ne peut pas construire. C'est ça que je n'ai pas essayé d'expliquer. On va, en tout cas, mon idée, je vais essayer donc de me lancer dans tout ce qu'on, a, ce qu'on appelle donc des campagnes aussi donc de sensibilisation. Ça ne peut pas continuer comme ça. Okay? S'il arrive un accident, puisque Tokoki cause un accident, Oyo Sokikaka, Nanza Koyebsabino, équipement, Oyo Soki Ali Kaka perturbé, c'est-à-dire même avion, et qu'on s'est déplacé donc na route Nango, et ça peut avoir donc des conséquences très néfastes. Mais il y a Nalingi qui est directeur Nangaï, juriste, au Ebipe Dossioyo, Bopé Sabango, occasion, s'exprimer, Bapé Sabino, quelques éléments complémentaires ou supplémentaires. Merci. Moni soki régie de Vazari Nzaliawa. Et salam sala ya munene pendant mboka. Aéroport esika oyo bavion eko kita. Bavion eko kende. Mais derrière là, il y a en place toute une machine. Ba tilibisona no loi wana. Na loi ba lobi boko sala ndenge nini. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Ok, il y a un article 72, il y a la loi sur l'aviation civile. Comment est-ce qu'il faut faire les choses? Au long de la loi, on a signé un arrêté interministériel. Ezali Pewana. Ezali, ministère des Affaires foncières, ministère de l'urbanisme, le ministère des transports, parce qu'il y a ça, le ministère en charge de l'aviation civile. Faut pas s'engager à ça, arrêté interministériel. Ndengenini. L'aéroport, l'équipement, tout tient à place pour sécurité et ça, pour sûreté et ça. Pourtant, on a sécurité, tant on a sûreté. Il y a moi, effectivement, avant de répondre à votre question, je prends un pan. Oui, déjà, le bien. Audit et Zoya Mboule et Zoya. Au fait, audit et Otalanini, est-ce que Bino Nambo Kanabino, la norme, vous respectez? Tant que Batali, vous avez respecté, vous avez un bon camarade, on peut y aller. Si on a que bazo respecter la norme, c'est un pays dangereux pour l'aviation. Donc ici, on crée les conditions pour que RVA, tant que l'avion est survolé, biso. Parce que l'équipement OYO, l'équipement OYO, est copié sa position à Kinshasa. Tant que l'on sélectionne la fréquence à Kinshasa, c'est l'équipement OYO qui est copié ça. Ce qui signale les alliés perturbés, c'est un problème. Alors nous, l'aviation civile, c'est quoi? Nous, on vient vérifier est-ce que la norme est respectée. Donc, le texte de la PCB est allé mibale, mais au participer na règlement mobimba ou ezali wana pona ko fixer ndenge nini makambo il faut esalema. Alors quand nous apprenons, le DG nous alerte qu'il y a un problème, forcément pas na biso déjà le bité mbala moko photo za la pe wana totala soki o ba lobi ezali a solo, parce qu'il y a des efforts qui sont faits réellement pour sortir d'une certaine situation, mais il faut pas qu'on rentre de nouveau na sima. Je crois effectivement qu'aujourd'hui on a besoin d'appuyer ces efforts qui sont faits na régie des voies aériennes pour que par rapport à ce problème précis, l'Ikambouana est ici là. Voilà. Donc, je reprends encore ce que je disais. Nous, nous venons, nous nous déplaçons pour vérifier si la loi a été respectée et n'a pas été énervée quelque part. Si quelque part, nos règlements, il y a un arrêté interministériel a été respecté ou elle a été énervée. Et si c'est le cas, forcément, je crois que les responsables, les autorités politiques, doivent pouvoir s'impliquer et s'accorder pour que nous puissions aller de l'avant. Le mois d'août, c'est demain. C'est pas loin. Les travaux sont en train d'être faits. Il ne faut pas qu'ils soient retardés. Parce que si on les retarde, on viendra nous trouver en difficulté. Donc, encore une fois, nous nous croyons qu'aujourd'hui, équipement Ezosenga, dans un rayon de 600 mètres, il ne faut pas qu'il y ait des obstacles. Bon, il y a beaucoup de temps à l'hôtel. L'équipement Awa. L'hôtel, c'est que ce soit 600 mètres. Faites un peu le tour, vous allez voir qu'on est loin du compte. On est vraiment loin du compte. Donc c'est un problème qui nous concerne nous tous. Équipement, il y a un peu d'avion dans le monde. Pour qu'il y ait un peu de temps, pour s'aligner dans la piste. Et ça, c'est la procédure. C'est à partir de l'équipement, justement, à cause de la mesure, nous sommes pour titi et qu'il y a mal. Bon, ce qui est un peu de temps, Oezali, il y a malamouté. Des conséquences sur la sécurité aérienne. Et c'est tout le monde qui est exposé.
non seulement l'aviation internationale, parce que les avions qui nous survolent sont concernés, mais les avions qui viennent et qui atterrissent aussi ici sont concernés. Donc effectivement, il est temps que, à partir de cette sensibilisation, qu'on comprenne les enjeux, qu'on comprenne les défis, qu'on comprenne les dangers, et que tout de suite on s'y mette, parce qu'il n'y a pas à attendre. Merci beaucoup. L'aéroport de Ndjil a été ouvert, inauguré donc, en 1954. Quand on inaugure en 1954, il faut mettre plus de 5 ou 7 ans en avant. Donc vers les années 45, les Belges ont occupé l'emplacement ici. Jusqu'en 1978, donc 78, l'avenir ici de Sifourko, il n'y avait rien. Jusque de l'autre côté. Le malheur de la régie, ça vient d'où? C'est quand le ministre de Transport, en 1978, avait demandé à la RVA de céder une portion de terre pour la construction de l'entrepôt de Sotras. Vous voyez chez nous, au Congo, quand vous installez une usine, un entrepôt où les gens travaillent, aux environs, on doit quand même trouver des gens avec qui, quand il y a pause, où il faut aller manger, où il faut aller se reposer. Et tout est parti de là. Ils sont arrivés en 1900. La première démolition a eu lieu en 1993. La deuxième démolition en 1995. La troisième démolition en 2000 ans. Et la dernière, il n'y a pas longtemps, où tout était démoli. Si réellement nous aimons notre aéroport, parce que sur le plan juridique même, l'aéroport fait partie des éléments du pouvoir. On peut tout négliger, mais sauf l'aéroport. Pourquoi je dis cela ? Parce que vous voyez cette antenne ici, de Vore. À l'époque de Belges n'existait même pas ici. Ceux qui connaissent bien Kinshasa, vous voyez, quand on dit IPN antenne, Mbiza Telecom. Cette antenne ici, à l'époque, ça se trouvait là-bas. Donc c'est une affaire qui n'a pas commencé hier ou... Non. Ça a commencé il y a bien longtemps de cette antenne. Pour situer la ville de Kinshasa, même la République démocratique du Congo, il faut que cette antenne existe. Mais pour que ça puisse exister, il y a des conditions. Sur le plan judiciaire, si la RVA n'avait pas gagné les procès, on n'allait pas détruire la maison d'autrui, comme l'État lui-même a détruit. Donc, ça veut dire que la RVA a raison. Donc, je peux m'arrêter là-bas. Ok, Naza devant conseiller juridique à RVA. Oui. La nanga bena bokebi, na esba kongolais ni esba olandais bena bokebi nyonsu. Ndeto zali awa. De l'intérêt de la vérité. On a dit que j'ai jamais allé. On a dit que Moutou pas sauté à place. On a dit que vous avez ma pinga moko. On a dit que la télévision est un syndicat. À lui, boui. Bakota awa sur base à jugement. Jugement en haut, bakota awa bande de combat. On a dit que jugement n'a bino. Toi, Moutou moko boui. Mais quand vous expliquez Pepe Baol, on a dit que la télévision. Jugement. Non. La RVA. Mutu mokote na kati osalaka na RVA akoyi koya koteka terrain oyo eza d'abord ya yo ya ngai ya peuple congolais. L'état RVA égal l'état congolais, parce que bato baye bakate RVA musala na ngwezani RVA musala na ngwezali
co-concevoir, co-construire, co-entretenir l'aéroport et co-percevoir Babiloko yo ba étranger ou ba exploitant ya avion ya ba avion oyo il faut ba foutre dans l'état congolais et les kaka par RVA ezam bongo ya RVA te ezam bongo ya l'état congolais donc mbongo yo ba sa tout ba sale la kanamba ba zo foutre ba député ba zo ndambe wuta ka pe na RVA. Vous voyez, dire que vous avez gagné un jugement, bon, ce qui ont gagné na premier degré. Deuxième degré, ça. Tu as le deuxième degré, il y a un monde à te. Il y a un présenté. Il y a jugement, jugement, il y a un. Mais il y a un jugement. Est-ce que c'est normal? Avant que le jugement soit quota dans l'application, il faut bayer en d'abord et par en RVA. Na recevoir en haut, na sali en haut. Il y a un avocat en haut. Il y a défendre ma belle, il y a l'État. Ok, voilà. Ok, maître, moi, je suis en souk, vous comprenez. Jugement en haut et comment on a combo à l'État. RVA est à l'État. Mais vous avez fait des abattus à l'État, vous comprenez. Moi, je suis en train de vous expliquer. Moi, je suis en souk, vous avez fait des abattus. Non. Oui, mes amis. L'argent facile. Yo, l'élo na ville qui tchassa. Chef coutumier, à Kouta Wapi. Ngaï na yo. Bon, peut-être yote, mais nga, na botami na Kinshasa, na koli na Kinshasa, tant ou tozo kola, to yebi makambouya ba chef coutumier te. Chef coutumier s'est déjà dépassé. Belge pour que atonga awa. Après ça qui ba koko na bango, ba mbogo, ba droit na bango, ba ni, ba longwa même, soko kei na. Ba côté kuna ya mbakana okokuta batu mususu oyo bazalaka o mitu na me ba komi kuna koma parce que ba perceva ki quelque chose de belge le musu bon bato ba yesika nga na yebi ke chef coutumier za la rasoute. OK mbote mente. OK mbote nginda yiba na mutu na pona kutuna mitu na tuniyete awa tuna komini awa tuzana komina masina. Ah, docteur, on a Massina. Malabaki na trois communes. Zaramonga Fula, Sele, Maloko. Les autres communes Oyo et même bah député provincial bah Koptarabango. Mais tout le bah premier ministre les Awa. Ah, le chef coutumier et côté la carte à trouver. Et ma quatrième commune, la ville de Kinshasa, deux Zakaka, Sele, Maloko, na Monga Fula. Té, omoni Awa, ils allent Kambuna nous y amabélé. Ils allent Kambuya terrain Oyo. Terrain Oyo, on dengue conseil juridique à vous t'avez expliqué. Depuis l'époque coloniale, il a parlé de 1954. Et ça là qui déjà et Ebana Kike ça appartenait à l'État. Il est bien ou bien que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État depuis loi Bakajika. Et l'autre singeli batubaye ba ezake RVA aza entreprise publique à capitaux 100% c'est l'État congolais. Il n'y a pas d'autre actionnaire, il y a que l'État. Or, c'est bien appartenant à la RVA pour na bo déposséder RVA nango to ba occupation o automoni illégal awa il faut ba respecter procédure il y a désaffectation il y a bien immobilier o procédure wana to mona pété ba il biso preuve il y a désaffectation wana bazui balobi bazui ba titre de propriété auprès des chefs coutumiers de basomba kikuna ba s'est présenté devant ba juge on a vu des jugements accordé par défaut, donc des jugements obtenus par fraude, par des moyens rétors, et la RVA ne ménagera aucun effort pour s'opposer à toutes ces décisions judiciaires iniques. La machine judiciaire est déjà en marche, même s'il faut aller avec jusqu'à la cassation, trouquer dans la cassation. Et deuxième éloco, où il faut batuba retenir que le technicien va l'obéir. Appareil OEOVOR, où ils ont un instrument moko radio électrique, la navigation aérienne, tout ça, n'est pas expliqué dans le cadre de OACI, ils ont aussi la protection Makasi. Donc, en gros, Banda Kouana Loko et Salamaki, même par arrêté du gouverneur de la ville en 2010, seront démolis.
seront démolis. Et il faudrait dire à la population que tout celui qui vient construire sur les terrains d'autrui, construit pour autrui, parce que, comme on va vous le démontrer même via des cartes géographiques, pas d'aujourd'hui mais d'antan, c'est bien appartient toujours à la RVA. Comme ça peut être gouverné, c'est prévoir. Cimetière, il y a une clôture. Pour ceux qui ont une clôture, ça appartient à la RVA. Non, on verra au moment opportun ce qu'on fera de ces cimetières-là. Oui. Moi, message fort, on a écouté dans la télévision, il y a place au désormais. Donc, on a un sommet parce que nous sommes en Congrès, nous sommes en Congrès, nous sommes en Congrès. Il y a un site appartient bel et bien à la RVA. Oui, oui, message clair, il y a un DG à l'Obaki. Site Oyo et Zali Pona RVA. Ce qui est le lien Somba Awa, Bamemio, Yebake et Zat tentative via escroquerie, il faut que Boya Koboya. Pour Oya Koboya Kambongo Pamba. Je peux rajouter au lobby cimetière. Tu crois vraiment hein? Cimetière est un obstacle. Cimetière est un obstacle. Mais tu as la paix cimetière. Mais toujours le banan, problème, il y a un obstacle. Équipement Oyo, tu lobby très bien qu'il ne faut pas donc d'obstacle. Il ne faut pas donc d'obstacle. Je laisserai donc le soin au directeur d'exploitation. Pourquoi là, bah, précédé ngai bah lobby, je crois DGA RVA à lobby, DGA AAC à lobby, équipement au bomoni bah bengi VOR, c'est ça l'identification de la ville de Kinshasa et de l'aéroport d'Ndjili. Ils ont qu'à émettre sur une fréquence donnée et c'est cet équipement qui permet la matérialisation de routes aériennes. C'est à l'aide d'un équipement. Ils tracent des routes aériennes pour nous facilement. Donc, Azako émettre un rayonnement sur 360 degrés pour permettre la matérialisation des routes aériennes. Naba route wana ezo permettre ba contrôleur de trafic aérien ba séparer ba avion pour ba tout anaté ezala ba avion o bazo kende ezala ba kokutana na ba o bazo ya il y a un certain degré d'espacement réglementaire à respecter, c'est donné par cet équipement ezala ba o bazo kitawate o bazo ko survoler bisokaka ba ko se référer toujours na ba émission ya antenne et kenda ka ti likolo makasi ata outi Johannesburg outi wa paso kende wapi l'air ko affiche fréquence ya VOR Oyo et pesier cap à suivre pour être sur Kinshasa. Vous pouvez pas vous demander mutu ata koma na Kinshasa te azana Tokyo na wapi il peut décoller là où il est alandi ba VOR mususu ya bamboka mususu et pesier direction ti ya ko koma na VOR ya Kinshasa. À partir de VOR Okaka, RVA a sala a établi sa ba procédure au avion et sala ko landa ba trajectoire donnée toujours par ce VOR pour na akita qu'il pleuve, qu'il vente, ata mulili ezandenge ni visibilité za réduite, ça va permettre ça, c'est ça la sécurité. Alors risque ezanin soki ba perturbation ezali pembeni pembeni. Au lieu de faire ça, rayon exact, et qu'on fait ça, rayon moko erroné. Contrôleur à quoi il s'avion, yo aux aucun déboué, un autre est en face de toi, prend radial par exemple au temps de voir Kinshasa. Pilote à Kolandango, mais si c'est perturbé, et vous avez une fausse information, et deux avions peuvent se télescoper. Et on aura une catastrophe au bateau bakose. Bande qu'on a biso ba mataka ba avion, biso moko to mataka. Il faut être conscient ya koyeba importance ya oyo. Yo yo tonginda ko. Mais le lendemain tu montes dans un avion qui sera aidé, guidé par cet équipement. Bongo soki ba information et PC zali erroné. Voilà importance ya équipement oyo. En rapport na obstacle. Au lobadine pour la maman
o ba osa bilanga, est-ce que bango bazana problème ou bien zaka bandako? Bon, ba mama oyo, c'est comme vous disiez, le kambo ya cimetière. Normalement, ezali penza autorisé te. Parce que na kati ya emprise aéroportuaire, bazana na kati ya zone to bengi une zone réservée. Pour kotawa, faut ezala na autorisation to benga na pe mwa mbala ebele. Mais c'est le moindre mal, comme on dit. Et loko ya mabe mingi epa ya bango biso na navigation aérienne ezali bi loko bazolona ebendaka bandeke. Bandeke wana le razo ko voler. Comment on appelle avion moko outil ko décoller bandeke bango wana réacteur et avion est aspiré ndeke. Et comme avion il faut quitter et ko kimi ko sala accident, voilà ba risque oyo tozana ngo baza wana pe to bengana pe bango mo mingi. Mais o constituer te bilanga na bango wana comme cimetière obstacle pour na ko perturber ba rayonnement ya vor oyo. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ma construction ils ont un bloc métallique et tout ça, et on vous a dit ma spécification technique et équipement où ils allient à plus de à moins de 600 700 mètres, on ne peut voir aucun obstacle. Ça c'est pour le vol, mais aussi l'aviation va établir ça un plan de développement aéroport. Ben c'est pas ça qui paraissent être vides, ils allient vides pour qu'il y en a qui vident. Et puis il y a des servitudes et des dégagements des avions. On a ni autour de l'aéroport, batonga ndako na moi hauteur boye. Nous avons tout un service qu'on appelle des panzops qui étudie tout ça. Avion koko ya po ekitati et eu problème encore et ça c'est ce que nous appelons remise de gaz. Donc il atterrit, il touche et puis il redécolle immédiatement. Mais il doit avoir assez de distance, d'espace et de hauteur pour kokisa on va benga ka marge de franchissement d'obstacles réglementaires requises. Mais ce qui botongi tongi en désordre, il peut kosa la remise de gaz wana avec virage ndenge to monaka église moko ezali sans balisage ezali quelque part to komela bango déjà mbalebele avec une pointe métallique na boutou eza même balisé té. Ça c'est un danger. Oui, puis avion moko ekoya wana kingasani juste. Il a décollé virage à droite à Zikiwana, un Antonov. Donc, il y a toute une réglementation autour de l'aviation civile. Réglementation, on a bisoté batoto saliango. Dès lors que le pays a signé, a ratifié, nini ba accord, il y a convention, il y a Chicago, eh bien, nous sommes tenus de respecter. Tout à l'heure, le directeur général adjoint de l'AAC a dit, on va subir un audit international sérieux. Franchement, je vous dis que ceux qui baillent tout ceci. Ça, vous n'avez rien à dire. C'est une carence. On va venir à carence yamounene. Nous nous battons pour sortir de la liste noire. Mais si nous venons encore ajouter bah écueil, bah difficulté, nakatia bah carence déjà déclarée, c'est un problème. Où nous voulons sortir de la liste noire, où nous voulons y demeurer et nous enfoncer encore plus. Déjà, lobby, déjà insisté en go, les avocats, les collègues de l'exploitation, notre assistant juridique, on insiste. C'est vrai, discours, il faut les alami balai. Il faut un discours pour les décideurs et il faut un discours pour tout le monde. Le tout le monde, ce qu'on dit, c'est quoi? Ne vous amusez pas avec votre propre sécurité. Quand nous parlons de la sécurité de la navigation aérienne, les gens voient que c'est une sécurité qui concerne le ciel. Non. La sécurité de la navigation aérienne a de l'implication sur la sécurité intérieure de tout un pays. Ce qu'on fait ici, c'est l'image de tout un pays qu'on est en train de ternir. En aviation, dès qu'un petit problème se pose, c'est le monde entier qui est alerté. Cet équipement n'est pas qu'un seul. C'est vrai, nous avons parlé, c'est tout le monde, on parle un langage de façon que les gens comprennent. Il y a un VOR, il y a un DME. Le VOR donne la rose des routes, c'est ce qui facilite, comme ils ont dit, des procédures d'arrivée et de départ de l'aéroport et de survol. Maman, la petite portion qu'il y a ici n'est qu'une aire de protection parmi plusieurs d'autres. Si nous prenons l'annexe 14 pour déployer toutes les servitudes aéronautiques,
il y a même des quartiers entiers ici qui seront rasés. Parce que ces procédures-là ne s'arrêtent pas à un point. Ce sont des procédures qui ont besoin à de grandes distances pour que l'avion se positionne. L'avion ne court pas comme un taxi-bus qui va faire sur place, il fait marche arrière et il est parti. Nous insistons sur ce point, c'est la sécurité de tout le monde. C'est la sécurité de ceux qui prennent l'avion et c'est la sécurité de ceux qui sont en bas, qui ne prennent pas l'avion. Tous ces gens, ils sont en sécurité. Un pays, quand on parle de la sécurité de tous les citoyens, mais que les gens soient sensibles même sur la sécurité du citoyen numéro un du pays. Le président, l'avion du président atterrit et décolle. Faire cela, c'est insécuriser même la vie du chef de l'État. C'est ce que les gens disent. Si la procédure n'est pas respectée, comment ils peuvent dire qu'ils concourent à sécuriser le chef de l'État quand il atterrit dans un aéroport où les procédures ne sont pas respectées? Mama, c'est une question qui concerne tout le monde. Partout ailleurs, l'assistant juridique, c'est la cinquième fois qu'on a rasé. Non. Il faut que ça soit rasé une fois pour toutes, comme le DG l'a dit. Il faut sauver ceux qui doivent être sauvés cette fois-ci, que ça soit une fois pour toutes. Parce que demain, si l'OACI arrive avec son audit, il y a ce que nous appelons le DGA de l'autorité de l'aviation civile, l'a pas dit. On va nous mettre un drapeau rouge, c'est-à-dire ces pays où on a les avions, des gens sérieux ne peuvent pas y aller, n'arrivons pas là. Na banzi na kubakisa mwa eloko moke na nyoso bandeko balobi toza kolanda wa baza ko benga aéroport oyo aéroport international d'Engili tolandi pe ba yebisi biso ke audit ekoya eza audit ya Kongote eza audit ya Libanda elingi koloba soki aéroport ekomi international eza lisusu ya bana mboka te ndenge baza kolobelawa ekomi ya mokili mobimba. C'est cela. Donc, aéroport, il y a des sous sur la banque Kakate et comme il y a un mot qui mobile. Il y a un mot qui est mobile. Tout respecter les normes, il y a un mot qui est mobile. Il y a un mot qui est mobile. Pour que les gens ne soient pas en mobile. Sinon, aéroport est en mobile. Deuxième élément, en tant que commandant d'aéroport, il y a un mot qui est en mobile. Il y a un aéroport qui est bavio tango batambola galikolo bazala kana régime bibale ba mususu bazala ka vol a vue, c'est-à-dire a pumbwe azolanda biloko ya azomona na miso ba mususu bazala ko sala vol aux instruments, c'est-à-dire que ye a kota la sete il se fie aux équipements tels que celui-là a volé par rapport à l'équipement et comme maye tinase. Retenez que nanjili sur les 100% des aéronefs bavio ezako ya awa 99, bah ça la vol aux instruments. C'est-à-dire que ceux qui équipement yo, ils ont copé sa information à malamoté. 99% y a bavion, bah ça na danger. Raison pour laquelle les singeli tout ça l'effort pour biloko yo, ils ont la terre. Mouken na niagina baki se yango.
Mais c'est un patrimoine RVA. Tout le monde a déposé, ce n'était pas comme ça. Et le jour où il y a par exemple le vol en panne, comme maintenant, comme maintenant c'est parce que notre vol, eh bien, c'est lui qui aide à faire des choses. C'est comme la petite balise que nous avons vue en Dolor. Oui, NDP, voilà. Non, mais c'est bien la marche. C'est-à-dire, l'avion Oezakoya Naboye, Pona est atterri. Donc, ma technicien, ma co-expliquer au bien, ma co-expliquer bien au bien. Donc, bon, allez, je laisse. Azali, donc, avion à quoi la lignée, soka Nikozoa, position il y a atterrissage. Ok? La position atterrissage, Banda Konyo surtout, normalement, Bakoki Kozala n'a vu n'a été. Puisque c'est à ce moment-là que le pilote doit prendre donc la décision. Soka Kiti, moi Mingi, il peut facilement toucher déjà Nani Banda. Okay? Donc, Bakoki Kozala touche donc Banda. Donc, Oyo Nyo surtout, Baliawa, Nakati Emprise, aéroportuaire, toujours Yanjili. Normalement sont en infraction. Donc, Bakoki Kozala a waté. Il y a une rampe d'approche. Ils ont fait ça alignement. L'avion l'air a commis en courte finale pour atterrir vraiment dans l'axe à piste. C'est un faisceau de lampes. Pour une des raisons, on a été pratiquement dans le seuil à piste. On a tous à côté seuil 2-4. Alors, c'est comme vous le voyez. Oyo ezaba espace moko dégagé. Normalement de tout obstacle et quoi qu'il cause à la tête ce que nous voyons là parce que avion la phase d'atterrissage au final azali na phase moko babenga critique phase moko critique et ce qu'on tali bien ce que avion a commis awa ce y a piste touchdown zone donc zone de toucher des roues azali awa donc avion a commis déjà na hauteur moko y a assez pour akita mais c'est à peine à quelques mètres à hauteur. Il y a séparation na banda ko bozomona wana ezali très dangereux parce que na phase wana l'avion peut atterrir comme il peut aussi cracher il peut tomber ba o bazoko autoriser ba tuya ba ya ko tonga na ma place o esengeli ba tonga te c'est le moment oyo ya kozwa ba responsabilité
parce que ils ont quelques jours tout comme on a ce qu'ils ont souhaité, mais les camés salemi, allez, venez tous ici, venez, recherche des responsabilités. Bisso to longo li responsabilité na bisso en cas de problème na makambo ya boy. O andimi a exposé na ba danger ya boy. O andlingi pe a exposé ba ndekopé ba congolais na ba boy, ça c'est leur problème. Donc si on a comprendre des places où ils ont normalement ils ont la vide ou bien baloni à tabac à pelouse. Total, regardez ce que nous avons planté. Comme on n'est pas mon angopé tant aux autres qui t'en avions moi. Regardez, biso toloni ba vêtu vert, toloni ba bambou au nez pour na ils allient na ba zone moko y a ba érosion. Regardez bien beaucoup. Ok, c'est bien. Tout combattre même ba équipement, sauf qu'on t'allie bien. Érosion et bambou déjà qu'on attaque. Il y a moto sali pour te protéger. Mais regardez avec ça. Et puis, les amis, la construction moko, ils ont la canalisation, la maïté. Donc, ils ont provoqué sous la érosion, ma cassi, et ça va venir entamer encore Nino. Et comme nous avons dit, les autres réconsorts, donc, on favorise encore les nids d'oiseaux, et ainsi de suite, pour insécuriser davantage. Maman, des choses comme ça, ils ont fait ce discrédit sur l'image du pays. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Pour être un pays, dans des concerts des nations, un pays moderne, il faut respect. Il y a réglementation, il y a la norme, et nous, c'est seulement en tant que pays moderne. Il ne faut pas qu'on se poumonne d'un côté, qu'on néglige des choses sensibles comme celle-ci. C'est là la Grèce, on est. Là, c'est grave. C'est grave. Les pays vierges, tous ces pays. Les pays. Voilà. D'un côté, Tolingi va venir quoi yaka. De l'autre côté, bisika to tonga kayangoan. C'est la même chose na makambo rai. Tolingi train tambola, mais tozo tonga na nzela rai. Je ne comprends rien. Je suis passé, j'ai dit au DG de la RVA. Na lobi ndolo yangoan. So ki bozo uta kota complaste. Bozo kende, bokas. Botala na droite place mire ko yawan. Ba komi ko beta batol. Malembe malembe bo kuta, babandi ko tonga bandako. Et place Souana na lobaka tous les jours. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre conseiller public, M. Tambo, que je suis, Ngaï na mona kayoka na télé. Ngaï, place mounyonso, nako tinda voa nanga yango. Depuis, ba mema yo kende ko inaugure, mifa so ki mifa, wana bachana, nani, na tipka place batu bakufa. A côté, batu nyi magasin msus. Et qui construise. Cet aéroport là, au vieux temps oiseau ou tamatadi, baboya kitananji la yeko kitawana, devrait quand même rayonner. Ne fût-ce qu'en mémoire de cet homme. Mais les lobes oiseaux spoliés, on est en train de construire partout. Même les domaines militaires, Nathalie Sabino Kibomango, tango zo kende ntele, ozo ke malou, na droite de koliki cimetière à. Ya Ginkol. Bato bazalaki komeka te. Eza concession militaire ki bomango. Mais lelo batie bamso batie na ba pano. On construit. Au vi et au sud de tout le monde parce que bato nyo soazo le kapla soa. Tobe taga maboko. Parce que tout va bien. Non. Je ne chanterai pas. Yango bande konanga bomoni même na kacha débat sur le budget. Ngana lobi na bango le peuple d'abord n'est pas le peuple après. Je me lave. Je l'ai dit. Je joue le rôle que devrait jouer en député. Yango na tuna kana batu nini député odi ko sala na sala kati. Na intervention, ce qui était le plus radicaux, c'est moi et Jean-Marc Kabound. Comme nous n'avons pas une opposition parlementaire forte, tu as joué deux rôles. Pas qu'à Kobeta Maboko, 10 milliards. Oui, 10 milliards, d'accord. Mais Batiki ba poche moussoute, il y a un coach en bon. Budget Zanine, il faut totalement que tu aies cotisé. Nandenga ya ko dépenser yango. Les 10 milliards, je vous ai montré que Bazaliko se référait na budget à 2021. Oyezala kina makambo pandémie.
Na lobeli ya nouveau ya code minier 2018. Il y a aussi une autre dimension na lobela kité. Tozolo ba le Congo c'est le pays le plus riche bande konanga riche sangwe utaka ba minerais. Est-ce que boyebi ke ba minerais na biso ebimaka kaka na brut? Et ezobi ma brut ba raffinerie sale makaba te eloko moko te ba salaka awa ya ke ba cuivre wana ba ko traiter ngo awa ainsi de suite te nyonso ba memaka ngona mabeli ba kenam. Ce qui est grave est que ndenge à l'exportation la ndenge zobi mawana ba futa kata 100 francs te ezobi ma ndenge wana pas de droit de sortie bazo futa kan importation n'exportation minerai na biso wana bimaka ofele ba remorque nyonso to wana bozo mona. Ezo bima efuta ke lo kote. Toujours dans ce secteur, je vais ajouter encore une dimension. Place ya kokote c'est la mbongo. Pour nous stabiliser monnaie na mboka na biso, la loi dit quoi d'abord? Ce qui va toi importer ba produit brit, ndenge bazo importer yango an. Ba comme ikuna, il faut ba rapatrier au moins 60% à ba devise. 60% à devise au bateki et zonga na ba banque na biso. Ça va donner de la valeur à la monnaie. Ça va stabiliser le taux de change. Est-ce que basale la kango banque centrale bazaka kuna o komona kaka babimi? Non, il y a une performance. Koko saka o bazo ko sabato. Je vous ai expliqué que la performance o bazo yemba ce n'est pas parce que o lutte contre la corruption. Non, ezalokuta. Cuivre ou bate kaki, bazo continue le kola bazo lukayango et komate komata lisusu jusqu'en 2023. 1 600 000 tonnes. Ou bate kala kote kate. 2022 ou to kote kape plus que ça. Et aussi la reprise des activités économiques après Covid. N'application yanani, ya code minier. Mais ba minerai na biso bima ke futa ke lo kote na sorti. Batika ndengwa étiquetage ya biloko ao et koko tsambongo nous voyageons to ebi comment l'état lukaka mbongo mais biso awa eloko moko te on a demandé ndenge bazo étiqueter ba cigarette ndenge bozo mona cigarette ezambongo ba koko non quel que soit ça ba ke même en justice et l'état gagne à travers la DGDA l'application est où okomana ka ba opérateur économique wana ba baluka le ba ke ba corrompre qui sont en majorité qui Bake ba moni ministre moko ba obalo baka bazana poche ba pesi mambo. Nous pouvons avoir un budget au-delà. Même il y a 13 milliards na proposer. Nous faisons notre part. Et les autres to moni sama lukonde à répondre ninga répondre. Bande ko na biso ya Ecofin soki ba ko sala quelque chose. Le débat général est passé. Mais les idées sont là. Tokota là ceux qui dans 8 ans encore qui ne ko participer dans ba séance na ba pour que na placer quand même un mot ceux qui ba ko que la biso. Ma solo. Parce que biloko wana ndeko sala que la population a se retrouver. Mutozolo bananga ndeko les ailes. Yo ba vota yo pona osunga kabato. Oui, ça dépend ya mutema. Yo nengo botama ndenge okola. Ne faut pas me contaminer. Ce n'est pas parce que nous en avons assez. C'est le cœur qui donne et non la main. Même temps on accueille. Là, c'est ma résidence, na cabine. Bah, handicapé wana, toujours pesa bango mama puta. Bah, veuve, toujours pesa bango, toujours songa bango. Même moi na muke wana, toujours katumwa bilamba yokola. C'est ça, biso to zanengwa. C'est l'enfant.
le vrai défenseur de la population. Honorable Eliezer Tam, les jalons de la presse congolaise. Bino bakela bino ke bana na yo mwana na yo kosala anniversaire ya kafuka fuka ne na zo mona element moko a bauti ko tinde langa ya une société hein, cette société ici ba patron ya Angel, oui ba lobi soki Angel oui Angel cosmétique je pense, je vois un journal, on a commenté un journal Journal Ango ya Congo te, oye traité dossier oye. Je vous propose de suivre et cet élément. La République démocratique du Congo est reconnue comme un pays potentiellement riche car son sol et son sous-sol nourrit plus de 60% des pays à travers le monde. C'est ce qui fait que la plupart des capitalistes mondiaux cherchent à trouver leur fortune en son sein. Mais petit à petit, le pays est en train d'être pillé par les expatriés qui sont venus implanter leur quartier général en République démocratique du Congo. Tel est le cas d'un sujet libanais au nom de Hassan et Salab et son fils Ali Salab, respectivement, patron des sociétés Angel Cosmétique, Palmeco et Okeplast, qui viennent de prouver à la face du monde que l'argent qu'ils amassent en République démocratique du Congo sous protection de certaines autorités corrompues est utilisé pour des besoins futurs. Cependant, le peuple congolais galère toujours dans la misère. Ces sujets libanais sont accusés plusieurs fois pour blanchissement des capitaux, fraude fiscale et douanière, surfacturation et fabrication de produits impropres à la consommation de la population congolaise. Cependant, le ministre de l'économie et celui de la santé honoraire avaient interdit la production de produits hydratants et ça cause beaucoup de dégâts aux peaux du peuple congolais et comme interdit dans beaucoup de pays à travers le monde. Mais ces sujets libanais, sous couvert de certaines autorités de la République démocratique du Congo, continuent à produire ces produits et distribuent sans génie complexe à travers les boutiques et magasins en République démocratique du Congo. Mais le constat le plus amer que tout Congolais a observé, pendant que la République démocratique du Congo se cherche à stabiliser son économie, M. Hassan et sa famille se sont permis de gaspiller plus de 10 millions de dollars américains pour une simple raison d'organiser le mariage de leur fille qui ne s'est pas passé en République démocratique du Congo, mais sinon en Turquie il y a 2 semaines passées, où ce sujet libanais est allé gaspiller l'argent amassé en République démocratique du Congo au détriment de sa famille, donc sa fille qui s'était mariée, où il a dépensé ces millions ramassés en République démocratique du Congo en louant des jets privés pour des navettes entre Istanbul et le reste du monde, invitant même les célèbres rappeurs français d'origine congolaise au nom de Maître Gims ainsi que les autres. Mais la seule question que tout Congolais se pose à travers de toutes ces vidéos vues sur les réseaux sociaux, comment un expatrié peut quitter son pays et venir ici pour se faire de l'argent et aller gaspiller au détriment de sa famille tout en méprisant les dignes fils du pays qui galèrent dans la misère et ne s'y retrouvent pas. Cet expatrié et sa famille sont protégés par quelques autorités compétentes du pays habilitées de protéger et canaliser les ressources de la République démocratique du Congo de façon que ce peuple se retrouve comme il se doit. Voilà. En dépit de l'exploitation Nyonso, même fait en Gouan, à quoi qui peut organiser en Gouan, peut-être que ça t'a moqué à ta quelque part. Ok, mariage avec pompe. Et ceux qui ont tali de marche, bah commentaire on a na yoki aw. Ceux qui ezaya solo, na meki kozo ya na nga Jérôme Sekana qui s'occupe, je crois, de leur communication. Na zuyete. Mais quand même c'est grave.
Ce qui m'a cambo, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Mais selon la députée, il y a un peu de temps. Entre temps, il y a un naufrage qui est en Salé. Il y a un naufrage qui est en Salé qui est au niveau de Kwamutu, dans l'Ongola. Il y a un peu de temps. Et tout à l'heure, il y a un nombre de temps. Rien qui est contrôlé. Il y a un peu de temps. Alors, il y a eu autant de morts. C'est une situation qu'on parle moins. Mais je pense que ce sont les Congolais qui sont décédés. Nous avons l'habitude, des fois, de négliger Bamakambo, Ndengwan. Masolo na depite, Bandekonanga na lingi tobeta Masolo. Il y a prorogation à état de siège. Lobi, ma collègue, Nabiso, il y a Ben, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a Nord Kivu na Ituri. Finalement, ils ont été reçus par les chefs de l'État. Na sorti na bango ba reconnaître qu'il y a l'engagement et la détermination du chef de l'État. Il y a qu'à résoudre problème il y a sécurité à l'est. Ndenge na lobaka na binu a yebisaka biso que tozana posa ya information. Tango ayo tiango le biwi. L'armée et la population esengeli ba loba même langage. Mais ma détermination est à que to kende tina suka to sili salikama. Yango na lobaka na bandeko. Na lobi le leçon qui to lobi état de siège et sila nango. Et sili. Mais la même nuit, il y aura carnage. Batouana ko kata même 500 personnes mitou. Pour na kola ki sabino ki boit rien. Qui sera gagnant? Au lieu de ça, il nous faut une complémentarité. Il nous faut vraiment une complémentarité. Faute de quoi, ça sera compliqué, Bande Konanga. Une complémentarité. Si on ne veut pas se compléter, Botali, les Aïlokoya, Félix, ainsi de suite. Non, les Aïlokoya, Félix, c'était. C'est une question qui nous concerne tous. Et la question est à l'État congolais. Il y a sécurité, il y a des gens. Il y a des gens qui ont été erreurs, ils ont été dans la présidence. À tout moment, bino ba to sécurité bozagun. Botindi kakanga na bosa na kangote. Boboya kana kota tango boke ko inogire loko ya ba indien pona makamba COVID. Vous n'avez pas été invité. Ngande na komi danger le lopona chef de l'État Oyo Félix Antoine Tshisekedi ngana komi danger. Vous n'avez pas été invité. Nzoka ndewa na bozo bomba soni na bino na lobaka na bino. Bapaya azotonga dans 3 mois a tongi hôpital ya COVID biso to cause awa lokuta na lokuta bolaki sa biso ka mo attente na bino zo ki chapito bo salaka na maluku ekotsa batu combien les deux land cruiser bolaki sa ka biso avant que COVID ya na aéroport docteur Muyembe na docteur Eteni e kenda wa qu'est-ce qui empêche ya ke to tonga hôpital ya munene au centre de l'Afrique. Alors que tozana baminganga ya ndenge na ndenge dans tous les pays. Et l'unique solution était que vous n'avez pas été invité. Totike la binote, totike la binobo invité ka bato. Si ko na mariage privé yangoan, on filme les chefs de l'État, o makambo président makambo akouvre, on prend en balance. Quelle différence y a-t-il entre Bino, le prétendant membre de la famille, et chef de l'État? Naba oyo bazana Martin Fayulu bakeko filmer ye président ko kitana nuté batubaye nanuté président ko kitana nuté batubaye nanuté oyo ndaku ya oyo je koko ateka ndaku oyo. Quelle différence y a-t-il? Ça c'est les membres de la famille. Vous la sécurité vous étiez là. Na ki wana ke moto kanga photo o sécurité baboy. Sécurité baboy wana sécurité nini? Sécurité nini oyo tango muto azo filmer. Azia atie yo lingi chef de l'État yo. Olingi vraiment chef de l'État. On filmait bilo kwa famille, bokeko tia on a réseaux sociaux. Et biso to bandi ko justifier. Boni boko, to ya ko tika bino, na loba kana bino tous les jours. Eza kana ba fanatique, soit ba tumusu so ba considérer ka parce que kaka boyi, ba yebani parce que bazaba to amuno komoko, parce que bazaba to ya famille moko qui sont là bazo bimisa ka misisa parce que elle se retrouve. Mais il y a les gens qui sont convaincus du sens à notre combat. Vous devez faire la différence et respecter surtout Batoua Nengwar. L'unique voie à Bozana Ngwezani, au lieu d'aller sur le terrain d'argument, quand le terrain a benjur, il y a Kofing, Ndeyangwar. Nous sommes dans un mariage familial, privé. Les chefs de l'État vous voient.
Aye kopé sabino mbote parce que nenenge na ye. Au filmé. Be change na mino privé ou tchao na réseaux sociaux. Tobetelio maboko hein. Tobetelio maboko. Parce que yo gagné. C'est compliqué. Bande ko nanga na zo suki sawana. To sito bani makambu nenge na yebisa kibino. Ya ko préparer ba festivité. Où il y a la possibilité à couper sa bise 20 sacs à l'os, 30 sacs, 50 sacs à l'os. Donc, on partage dans les orphelins. Dans les handicapés, on partage. Plus 243, 998, 311, 332. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire.